Bonjour les CP, alors aujourd'hui c'est vendredi, donc comme tous les vendredis, c'est la dictée pour tous les CP. Alors aujourd'hui, une dictée de phrases avec une phrase qui va reprendre des sons que vous avez vus ces derniers jours et ces dernières semaines, avec le son P par exemple, qui s'écrit avec la lettre P, avec le son CH qui s'écrira avec le C et le H, avec le son F. S'écrire avec le F, avec le son OU, tu sais très bien écrire le OU avec la lettre O et la lettre U, avec aussi le son Z, que l'on peut écrire avec le Z, et d'autres sons encore que nous avons vus. En tout cas, cette dictée va permettre à Anne-Sophie et à Frédéric de voir un petit peu si tu entends bien les sons et si tu peux les écrire correctement. Alors c'est une phrase un petit peu drôle qui va reprendre un petit peu ce que nous avons vu avec Taoki. Je te lis la phrase et puis après je te la dicte plus doucement. Le papa de Lily se fâche car Taoki lèche un ours dans le zoo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un peu drôle. Alors on recommence, vous prenez votre ardoise ou une feuille de papier et un crayon, et bien sûr, vous écrivez la dictée en faisant attention à écrire proprement, en formant les lettres correctement et en relisant bien les mots pour voir s'ils correspondent bien à la prononciation que j'en fais. Si vous lisez un mot et que ça ne se dit pas de la même façon que Frédéric le dit dans la vidéo, c'est qu'il y a un problème. C'est parti. Alors bien sûr, commencez par une majuscule, puisqu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Le papa de Lily, alors mets aussi une majuscule à Lily, puisque c'est un nom propre. C'est un prénom, donc un nom propre. Et donc, on met une majuscule. Le papa de Lily se fâche. Alors, se fâche. Le papa de Lily se fâche, fâche, c'est un seul mot, car Taoki, le papa de Lily, se fâche, car Taoki lèche, hein, c'est lèche. Le verbe lécher. Le papa de Lily se fâche car Taoki lèche un ours car Taoki lèche un ours. Pardon, un ours. Dans le zoo. Alors, on peut dire le zoo ou le zoo. Hein, il y a les deux prononciations. Le papa de Lily se fâche car Taoki lèche un ours dans le zoo. Point. Voici donc la phrase, la dictée d'aujourd'hui. Le papa de Lily se fâche car Taoki lèche un ours dans le zoo. Le papa de Lily se fâche car Taoki lèche un ours dans le zoo. Voici cette dictée. Elle est maintenant terminée. Pense à te relire. Alors n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause, de te relire, de réécouter plusieurs fois la phrase que je viens de relire pour voir si tu as bien écrit les mots. En tout cas, je vous souhaite un bon travail et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dictée. Travaillez bien les CP!